S'appeler islam, c'est comme porter un voile pour une fille. Voilà ce que la mère d'un enfant de 9 ans s'est entendue dire en février dernier. Et ce, alors que son fils, qui s'appelle donc Islam, voulait participer à un jeu diffusé par la chaîne pour enfants Gulli. Ses parents ont décidé de porter plainte. Céline Couratin et François Pitrel sont allés les rencontrer. In the boîte, ce jeu télévisé diffusé par la chaîne Gulli, Islam rêvait d'y participer. Le 16 février dernier, le garçon de 9 ans touche au but. Avec sa mère, il passe favorablement l'ultime sélection avant l'enregistrement du programme. Mais à la fin des tests, les responsables du casting annoncent qu'il y a un problème. Le responsable de la chaîne de Gulli ne veut pas que votre fils y passe avec son prénom. Mais on va passer. C'était clair et net qu'on passe pour jouer, mais avec un autre prénom pour Islam. Et elle m'a dit, elle vient pas de nous, elle vient de responsable de la chaîne Gulli. La mère d'Islam refuse de changer le prénom de son fils pour l'émission et estime qu'il s'agit de discrimination. Réaction d'Islam. Choquée. Je me demandais pourquoi il voulait pas mon prénom, qu'est-ce que j'avais fait de mal. Le jeune garçon se renferme, sa mère décide d'alerter l'opinion. L'affaire est révélée par un journal. Alors la société de production Angel, qui réalise le programme, réagit en proposant à Islam d'assister à l'émission. Mais dans le public, la famille refuse. Quant à la direction de Gulli, elle a appelé la famille pour s'excuser, mais réfute toute responsabilité dans cette affaire. Les parents d'Islam, eux, ne comptent pas s'arrêter là. Ce soir, on va avoir un avocat et on va porter plainte... Pour discrimination, et c'est-à-dire ce qu'on demande, nous, on demande une réparation pour l'honneur de notre fils. Voilà, une réparation financière? Non, on ne cherche pas de l'argent, on cherche des excuses par écrit. Sont visées la chaîne Gulli et la société de production Angel qui ont refusé de réagir à cette annonce. Pour Islam, ce sont des histoires de grands. Lui ne veut plus participer à des jeux télévisés et a définitivement zappé le programme. Alors précisément, du côté...